Bonjour chers étudiants, bonjour chers membres de l'administration derrière. Bienvenue dans cette nouvelle journée, ce deuxième jour de campagne, ce deuxième jour de show, de spectacle, ce deuxième jour d'ambiance. Mesdames et messieurs, est-ce que Bilong ISM est là? Est-ce que jeune panafricaniste voilà. Merci beaucoup. Tout le monde est ravi alors, donc on a pas mal perdu de temps, mais quand même je vais vous dire mon rêve que j'ai fait hier soir. J'ai rêvé que les deux tendances. Après cette campagne, après la proclamation des résultats, tout s'oublie, les couleurs s'effacent. Le bleu et blanc revient. On redevient une famille. Tout s'oublie. Ensemble, à la parfaite harmonie. Ensemble, on travaille ensemble pour la bonne marche du PDE. Vous savez bien, la vie associative est reconnue par toutes les grandes écoles. L'importance qu'elle porte pour l'image de l'école et aussi pour la construction du mental des étudiants est très importante. Donc tout un chacun d'entre vous doit tenir compte de l'aspect constitutionnel que porte la vie associative. Donc votre implication est quelque chose qui ne doit pas être différent à votre égard. Vous devez vous impliquer car ça vous permet de vous enrichir culturellement, mentalement, physiquement, de tous les côtés. Tout d'abord, je remercie Soane de m'avoir appelé pour représenter la troisième année.
Tout ce que je voulais vous dire, c'était, voilà, tout ça, vous faites partie de la même famille. Donc, que ça soit panafricanisme qui gagne ou bien bilinguisme qui gagne, c'est toujours l'ISM qui gagne. Donc, je ne vais pas vous prendre les 3 minutes. Donc, voilà, c'était juste tout ce que j'avais à dire. C'est l'ISM qui gagne. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Léa Russel. Je suis une étudiante en première année A2. Et je suis très heureuse d'être ismoise, car dans cet institut, j'ai trouvé une famille. Une famille très unie et qui a su m'accueillir dans la plus belle des manières, facilitant ainsi mon intégration. Le BDE, bien sûr, je ne connaissais pas avant. Mais après ce qui s'est passé hier, j'avoue que j'aime déjà la vie associative. Maintenant, nous appartenons tous à l'ISM. Et dans la dignité, l'unité et le leadership, nous représenterons notre patrie, le Sénégal, notre continent, l'Afrique et bien sûr le monde. Vous avez tous vu, on a la même opinion. L'objectif de développer l'Afrique, cela on ne peut le faire que par le biais de l'intégration. Unissez-vous, rejoignez-nous, venez à travers. J'ai bien aimé le speech parlant de la vie associative. Cette belle chose qui forme les gens à être responsables, à être autonomes, vraiment, rejoignez la vie associative. On y apprend beaucoup de choses, on y découvre beaucoup de choses, on se forme. Merci, jeune panafricaniste. Merci beaucoup. Last but not least, like yesterday, of course. Belongism, the speech. J'ai pris comme thème notre président. Pouvez-vous me dire, vous, mes chers, si un homme qui a grandi au Mali et qui a fait pratiquement au moins 5 pays de la sous-région n'est pas le meilleur? Je veux savoir, mes chers, si un homme qui parle le Bambara, le Peul, le Mandinka, le Doula, en plus du français et de l'anglais, n'est pas le panafricanisme personnifié. La dignité, en quelque sorte, c'est savoir se démarquer, c'est être rebelle à tout chemin, voire à toute voie, pouvant mener à l'échec ou à la honte. La dignité, c'est cette gravité noble qui inspire la considération, qui commande le respect. Quand on parle de bilinguisme, nous ne pouvons faire fi de l'importance de l'honneur. Nous parlons du savoir, du savoir-faire, du savoir-être et surtout le savoir-devenir. Le savoir-devenir n'est rien d'autre que ce qu'on attend de nous. Nous sommes tous des managers et qui dit manager dira leader. Alors, nous, en tant que futurs managers et leaders, je dirais qu'on doit simplement suivre la voie de tous les leaders. Comme l'a tout fait, comme l'a tout à l'heure dit mon frère Souleymane Julien. Nous sommes tous des Thomas Sankara, pourquoi pas des futurs Senghor, des futurs Gandhi, et pourquoi pas des futurs Margaret Thatcher. Le développement. Dans le monde entier, tout le monde tend vers le développement. Les continents, tous les continents vont vers le développement. L'Afrique est hors d'eux. Oui, ça c'est vrai. Parce que l'Afrique a été secouée par la traite négrière, mais aussi la colonisation. Nous sommes une jeunesse et nous apportons à nous l'espoir d'une quête de développement. Et moi je crois que, et mon groupe aussi, et tout l'ISM croit que, avec des efforts remarquables, une dévotion totale, j'espère qu'on peut y arriver. Chers frères et sœurs, je rejoins le groupe panafricanisme parce que le panafricanisme est très important. Le panafricanisme vise l'unité et la solidarité africaine. Et l'on ne saurait se développer sans cette solidarité. Alors, chers frères et sœurs, unissons-nous main dans la main envers cette solidarité. Parce que nul ne saura le faire, cette solidarité,
on le fera à nous. Personne ne le fera à notre place. L'Afrique est en retard. Chers frères et sœurs, redressons l'Afrique. Je vous implore, unissons-nous, main dans la main. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir, non seulement étant un étudiant lambda qui ignore les grands points du BDE, par cela, il y avait l'auteur Stéphane Covey, le grand manager, qui disait que la réussite ne s'atteint pas avec les recettes d'un jour, mais elle se construit propre sur des principes justes. Je voudrais faire face à ma chère amie Aïssé Khan. Juste, j'aimerais savoir en quoi serait opportun de porter ma voix sur votre nom. Voici l'expérience, voici la vie associative, voici l'ISM, je m'explique. English Club, nous sommes en tête. ISM, nous sommes en tête. Culinaire, nous sommes en tête. Aujourd'hui, que nous voudrions faire une synthèse à propos de nos thèmes qui sont la dignité et le leadership. Quand on parle de dignité aujourd'hui, on parle de l'estime de soi, on parle du respect de soi, on parle d'un orgueil. Mais attention, un orgueil positif, un orgueil qui nous fait dire non à la corruption. Oui, oui. Non à la mendicité, oui. Et non à la dépendance. Le développement que nous voulons aujourd'hui ne peut pas se faire sans cette dignité. Et c'est cette dignité que nous prenons. Nous restons.